Maman Sandra, Mmh. le nouveau petit là, non. Maman, hey, nos parents connaissent. Oh, ils ont fait le bon Éric, choix. le petit là est Non, bon. la femme est bien. Éric, Non, à chaque fois le qu'il mal m'a. À bruna. chaque fois, il parle de mon ta meuf, c'est qu'il dit, c'est ma co, ok, bon. Moi, si je ne connais pas, Non, il maman, un nom je pour te. toi. Maman, attends, depuis tu vois comment quand Il me fait rougir, maman. Moi, je suis noire comme le charbon, il me fait rougir. Je sais pas Non. comment. Quand il vient à la maison, je m'écoupe la peau, je mets bien, je mets la robe sexy. Ah, j'ai mal Non, je compris. pense que c'est pour tes beaux yeux. C'est pas, mais je pense que c'est Et pour tes vrai que vous beaux êtes ça yeux. seul. Ne, Sandra, c'est comme si je gâte le galet. C'est pour moi, Elle ne tu regarde comprends? pas. Quoi? Tu te vois sur Elle regarde tes lui? cheveux. Et toi? Et moi? Voilà. Hey! Hey, les bêtises que j'entends sont que les soeurs voient les gars des Ma filles là. Oh, mère! c'est mon gars, tu comprends? C'est mon gars, tu comprends? Non, chef, un gars intelligent pour comprendre ça, tu veux. Qui, moi? Hey, tu vas voir. Et hey, au dernier nouvel, non, il est sans copine. Hey, le gars, c'est pour moi! Passant, laisse-moi t'informer que nous sommes ensemble depuis 2 semaines. Que quoi? Salut, salut à tout le monde, moi c'est Moi Sandra. c'est Emily. Bienvenue Bienvenue sur sur cette notre chaîne chaîne YouTube. YouTube. Bon les gars, en tout cas, comme d'habitude, hein, si tu es nouveau sur la chaîne, que tu passes sur la première fois et que nous, têtes, on sait quoi, là, nos têtes te plaisent de toute façon, n'hésite absolument pas à t'abonner à la chaîne et aussi à activer la notification pour ne rater aucune de nos publications. Et pour tous les anciens qui reviennent encore sur la chaîne, on vous envoie plein de bisous et continuez à faire pareil, continuez à partager comme vous le faites si bien. Voilà. Donc, Voilà. moi ça dit non. Aujourd'hui, on parlait des répétiteurs. On connaît tous au pays le forfait des répétiteurs. Ils ont la cote. Vous avez déjà sûrement entendu les filles qui sont tombées enceintes de ces derniers. Pourquoi arrivent-ils facilement à mettre le dos des filles au sol? Pourquoi ont-ils autant la confiance des parents? Que doivent faire les filles pour ne plus facilement tomber dans leur filet? Le sujet, sinon, les répétiteurs. Oh là là! L'affaire des répétiteurs, là, vous n'ignorez rien Vous n'ignorez de ces rien, gens. DG. On On connaît. essaie de comprendre le phénomène. Pourquoi beaucoup de filles tombent en tout cas dans le panneau de ces hommes? Parce que moi, DG. il y a ces hommes qui viennent, qui normalement sont censés en fait t'apporter un savoir et tout. Mais bizarrement, ils sont ceux-là aussi qui viennent encore vous mettre des bâtons dans les roues dans ta famille et tout, machin. Tu vois déjà, là, DG, tu vois, la fille tombe commence à sortir. enceinte et Tombe tout. enceinte, toi, le répétiteur. Oh, tchitcha, tchitcha, le tchitcha commence même à venir les jours qui n'est pas censé venir à la Et maison. te jure. C'est. Quand vos enfants disent qu'ils partent étudier, la contrôlez bien, parce qu'il y a études et études et Pourquoi d'ailleurs. tu penses que j'ai fait ça comme ça? Non, mais J'ai dit ça, j'ai sérieusement. dit. Bien sûr, il est repêché dans ma vie. Non, il faut aussi comprendre, les D'autres, ma mère repétiteurs. cherchait tous les vieux. Les Ah, vieux de types. ça. De vous... Non, Les habitants jeunes là. Non, mais les gars sont souvent beaux, maman. Ils ont un charisme là, maman. Tu cries. Donc, vraiment, et en plus, c'est intelligent, gars. Qui n'aime pas les gars intelligents? je Qui est fait pense pour les aussi gars ça le intelligents? problème, en fait, avec beaucoup Ouais. de filles, tu vois, c'est que tu vois là, tu vois un. Parfois, quelqu'un qui est un peu plus jeune devant toi et tout, comme ça, là, tu vois, et qui a sa voix, voilà, qui Je te t'apporte jure. quelque chose et tout. Tu restes un moment, tu C'est commences à sexy, gars. Je l'admirer, pense à tu commences justement, l'admirer. tu commences Et à ouais. voir, tu commences un peu Et à les gars sont imaginer en fait une toujours vie avec beaux. lui et tout. Imagine, alors, quand ils prennent soin d'eux, quand ils prennent soin d'eux, ils sont toujours en pantalon tailleur, chemise, et ils sentent bon. Peut-être Ben. parfois qu'ils enseignent par exemple les bobos là, non? Genre les bobos et tout, Exactement. ils peuvent aussi mettre sur le paquet, on ne sait Ouais, jamais là où ils. exactement. Et même si c'est les gigolos, ils sont là, ils vont viser aussi, les Et gars. ils bident là facilement, et tu blagues. Ouh! Non. Ils mettent. Donc, On on va parle de comprendre les ça. phénomènes. Je suis la pointe, Exactement. vous ici. À ceux qui étaient repêchants, c'est que vous êtes nombreux, vous êtes intelligents, c'est que vous Exact. êtes nombreux qui avez fait ça. Bon, les amis, bien évidemment, vous partagez sur nos différents réseaux Instagram, qu'on laissera juste ici, en bas d'un fois, quand vous épinglez en commentaire, on vous invite massivement à nous suivre, parce que c'est là où tout se passe, c'est là où la magie opère, voilà, c'est là où on partage tous nos sujets, on a la possibilité à tout le monde d'interagir avec lui. Alors, n'hésite pas, parce que la prochaine fois, ton commentaire peut être le commentaire mineur, donc, Exactement. fais-le. Mais avant cela, on va vous parler de l'application CryptoTab Browser. En fait, qui est un navigateur comme les Chrome et tout. On avait déjà parlé de cela dans la vidéo précédente qui était sur le test de paternité. Et ceux qui n'ont pas encore pris le lien, déjà pour commencer à utiliser ce truc, le lien est en barre d'infos. Donc vraiment, cliquez et utilisez ce navigateur parce que c'est payant. Quand tu utilises, on te paye. Parce qu'ils veulent se faire un Justement, nom. les Vous faites encore gars. sur les Chrome et les Mozilla. Vous faites encore quoi sur ça, gars? Il n'y a pas là à gagner sur ça. Les Américains sont devant depuis. Ils gagnent les doigts avec ça, les 3 000 $ par mois. On joue. Donc, vraiment, ceux qui n'avaient pas pris ce lien-là, entrez là-bas. Et n'hésitez pas, comme on vous a dit, en fait, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent sur Internet, vous voyez. Et donc, Là, c'est un des moyens vraiment sûrs et vraiment très rentable. Parce que tu surfes, on te justement, paye, mon nous sommes frère. tout le temps sur Internet. C'est-à-dire qu'on rentre Je directement sur Internet, que ce soit YouTube, tu vas avoir toutes les applications installées à l'intérieur de ce browser te et dis. tu peux l'utiliser facilement, en tout cas, et miner, du moins te faire de l'argent. Hein. N'hésitez Exactement. absolument pas à le faire. Exactement. Bon, les amis, sommes tellement passés à l'étude du premier commentaire. Un gars dit, moi-même j'avais géré une petite soeur d'un ami.
Cela, sous prétexte que je l'aide pour une matière. Ses parents, quand ils me voyaient avec la fille, non, ils ne se doutaient de rien. Cahier sur la table, sa double lame jusqu'à. Maman, le gars, c'était là. Tu vois un peu, donc, comme il apprenait en famille, il montrait que, ouais, il apprend le savoir, la go et tout. Les parents étaient là, que, oh, mais ça, c'est un bon garçon. Alors que le gars prenait ses tasses à côté. Donc, c'est vraiment ça, C'est le quoi. genre de gars là comme ça qui appuie les seins et les cuisses des filles comme Et ça ils là en bas abusent des mal, tables. hein. Et après, on a souvent mal, Après les des seins seins tombent vite. tombent. Ça tombe vite. Les gars, comme ça, ils sont. Mauvais doigt. Arrange mes beaux doigts avant de faire ça. Ya. Non mais sérieux, il y a les gars, ils touchent ta poitrine comme ça directement, tu sais que vous flat. Comme c'est la barbouche. Je Comme... Mais toi tu vas commencer à lancer alors que tu n'as même pas d'enfant. te jure. D'un moment, vous voyez vraiment ça dans les filles. Donc, c'est vraiment vrai. Et je pense que c'est aussi à chaque parent. Mais c'est pas ce que les parents peuvent faire, puisque c'est à l'enfant de réfléchir, tu vois. Je Justement, sais est-ce que pas. le parent ne sera pas là pour suivre la fille? Et parce aussi qu'en âge aussi pubère, on a tendance à vouloir expérimenter beaucoup de choses. Et les filles veulent découvrir pas mal de choses, tu vois. Puisqu'il y a beaucoup de filles, par exemple, qui se faisaient déjà tâter. Hein? Même ce qu'une fille dit quoi, non, elle ment. Beaucoup de filles sont faites tâter au collège, en tout cas. Et en fait, c'était quand j'en veux qu'ils fassent, elles font du n'importe quoi, c'est ce que je vais dire. Parce qu'elles font beaucoup de choses, en tout cas, qu'elles ne devraient pas en principe. Mais le parent n'est pas, le parent ne peut pas suivre. Le parent ne peut pas mettre la corde sur le cou d'un enfant, en fait. Exactement, donc. Donc, c'est à chaque enfant aussi l'accompagner à l'école. Bon, les amis, maintenant, on passe à l'étude du dernier commentaire. Un gars dit, 100% vrai, j'apporte ma part de contribution avec les propos suivants. 1. Les deux parties en question ont toujours une tendance à trop se rapprocher et se familiariser. C'est vrai. C'est très vrai. C'est vrai parce que moi, avec tous mes repétitions, en tout cas, on a toujours commencé avec le Avant vous. Après, on a bien, terminé avec tu. tu. Et si c'est un Parce, gars de ton âge, justement, c'est fini, quoi. parce qu'il y avait toujours ce rapprochement. Sachant que généralement, c'est déjà les personnes un peu plus âgées, vraiment des papas et tout. Mais après, on finissait toujours avec le tu. Et après, parfois, ils venaient à la maison pour un peu manger avec nous. Tu vois un peu, et ça Exactement. commence le rapprochement là, quoi. Donc, Oui, c'est bien mais probable, en là, fait. quand les petits sont vieux, il n'y a pas souvent trop ces trucs-là. Ça peut passer quand les petits sont jeunes. En plus, quand c'est. Il peut y avoir une fille de 17 ans, un gars de 19 ans lui donne des coups de pétition. Elle commence avec vous, mais après, c'est tellement tu parce que c'est son égal et tout. Il commence à peut-être avoir les points communs. Et après, il est prêt à aller nager elle aussi. Donc parce que c'est son âge, en fait. C'est ça On que ça nage frôle au vite. pays. Hein? Mon Dieu, nager, c'est trop dit. Peut-être nous faire une petite On s'est sortie. accompli. Exactement. Bon, il nage dans la chambre, non? On s'est compris. 2. Cette familiarisation va entraîner une perception de rajout par une personne qui va se mettre à faire des avances. Exactement. Donc, il va penser que vous êtes trop proche d'un autre. Il aura le cœur, Et non? comme nos chers hommes sont souvent un peu légèrement en jachère, même ceux qui sont pas en Même jachère, ceux ceux qui qui sont sont pas pas. mal Ils à vont la souvent maison, ils veulent tester. toujours entrer dans un autre trou. Les Le gars IKEA. va tester, il va tâter le terrain, il va voir comment la fille réagit. Comme elle est mougou, elle va entrer dedans. C'est comme ça. 3. La personne qui reçoit généralement ses avances dans la plupart des cas ne verra aucun problème ou risque avec cela car la familiarisation va donner des ondes. Exactement. Il se connaît ses appuyants et tout. Pourquoi? Il va se dire, bon, je vais essayer. En Quand plus, ils il se est connaissent, elle va se dire, intelligent. ils se connaissent en fait, puisque voilà, il est plus mature probablement, il me donne les cours, il est intelligent et tout, et après maintenant, voilà, pourquoi pas? Parfois, elle se retrouve entrée dans les trucs, entrée dans certaines pseudo-relations en tout cas, sans s'en rendre même compte. Rien qu'à cause des cours qu'on donne et tout, les cours même. Est-ce que maman prix donne le cours en fait? C'est devenu autre chose, hein. Exactement. Il Il est donne le maintenant coup, payé bisous. gratuitement. Coup, bisous. Après, sa mère te Non. demande que ma chérie, le côté, comment tu commences? C'était Non, ça bien. avait le goût. On continue, non. Tout cela va engendrer que la science soit sexuelle ou bien amoureuse entre les deux. Et nous connaissons toutes ses conséquences. Vous voyez, les probabilités de grossesse et tout. Comme ça. Après, quand on va le demander, tu commences le petit là qui a engrossé la fille. Là. La fille faisait comme la sainte une touche là. Ouf. Elle peut faire ça devant le visiteur. Justement, et comme dans notre cher pays, on connaît, il y a tellement de filles qui sont tombées enceintes de leur professeur ou bien répétiteur. Vous n'ignorez pas ça, hein? On connaît tout ça. Et c'est tout ça, je crois, c'est l'idolâtrie en fait. Ça commence par l'idolâtrie. Et après, maintenant, vous vous familiarisez. Là où tu idolâtres quelqu'un, après, vous vous familiarisez, tu dis, ok, je ne vais pas avoir plus encore. Et dès que le plus arrive, maintenant, tu finis quoi. Il n'y a pas d'emploi chez Exactement. le préservatif, c'est chaud. Il faut acheter, vraiment, Mais c'est ils ont trop la grave. flemme, c'est tout ce que je peux dire. Et j'ai dit, bonjour, on va arriver au thème de cette vidéo. Exactement, les gars, on vous remercie de l'avoir regardé, d'avoir enjoyed. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez tout par rapport aux répétiteurs. Est-ce que vous pensez que tous les répétiteurs, comme en tout cas, sont des salopards? Ou bien, Salopard, bon, pas bon, vous salopard, savez, mais là-bas, tous les répétiteurs, là, ceux qui font souvent nos ils ont les enfants cuisses mal dehors aussi. légères. En tout cas, faisons tous attention, en tout cas. On vous invite, oh les gars, en tout cas, partagez la vidéo, la likez, à partager avec tout le monde, toutes vos familles au pays, en tout cas, ceux qui ont les répétiteurs, pour que chacun puisse faire attention. Voilà, on vous envoie plein de bisous et n'hésitez pas à activer la prochaine notification. Allez.